Est-ce que c'est ce genre de plan que vous allez prendre pour faire genre c'est marrant au début de la vidéo et que les personnes y cliquent? Bonjour, je suis Souleymane Belayachi et je suis diplômé du bachelor de communication de l'ISCPA Toulouse. Aujourd'hui, je suis directeur commercial chez Smile Wanty d'une régie publicitaire digitale. C'est parti pour Parole d'alumni. Notre métier consiste à accompagner les agences et les annonceurs dans leurs recommandations stratégiques dans leur campagne publicitaire digitale. Ce qu'on va faire concrètement, c'est d'identifier les emplacements publicitaires les plus performants pour y diffuser la meilleure pub au meilleur moment et au meilleur endroit. Aujourd'hui, on travaille avec des boîtes telles que Publicis, Havas ou MD dans la recommandation stratégique de leur campagne média. Suite à ma troisième année de bachelor à l'ISCPA, j'ai effectué un stage de 6 mois chez Havas à Paris en tant que média planner international. Et en fait, après cette expérience, je suis rentré en master et j'ai enchaîné sur une autre expérience dans la publicité, mais cette fois-ci du côté créa. Donc il y a la partie média et la partie créa. J'ai fini par arriver chez Smile Wanted à la fin de mon master en tant que commercial en régie publicitaire. Donc il y a vraiment ces trois briques dans la partie publicité. Média, créa et régie. Coup de bol, j'étais le premier employé chez Smile Wanted, c'est ce qui m'a permis de prendre des responsabilités très rapidement. Pour choisir un souvenir sur tous les souvenirs que j'ai eu à l'ISCPA, c'est ultra difficile parce qu'il y en a eu énormément entre toute la vie associative, les événements qu'on a organisés, les séminaires, notre échange à Barcelone, c'est difficile d'en sélectionner un. Il y en a un qui me revient quand même en tête. En troisième année, on a organisé le vernissage de Mick Rock, qui est le photographe de David Bowie, donc dans un lieu atypique à Toulouse. On a travaillé depuis 2-3 semaines sur ce projet. Et en fait, de voir ce projet être vraiment mis en place et avoir lieu, ça fait énormément plaisir, surtout que c'est dans deux domaines que j'aime énormément, l'événementiel et la culture. On a fini par boire des coups avec Mick Rock et avec tous nos professeurs à ce vernissage, donc c'était un super souvenir que je garderai toute ma vie. Alors si j'ai 3 conseils à vous donner, le premier, ce serait d'être une éponge. N'hésitez pas à absorber toutes les informations que vous allez recevoir. On ne sait pas ce qu'on veut faire quand on sera grand. Moi, je ne sais pas ce que je veux faire quand je serai grand, mais en attendant, je suis une éponge et j'absorbe. Deuxième conseil, ce serait d'être un caméléon. Il faut réussir à s'adapter à toutes les situations. Donc, soyez une sorte de caméléon éponge. Troisième conseil, ce serait d'être proactif. Il faut dire à tout le monde que vous êtes un caméléon éponge. Il faut être fier d'être un caméléon éponge. Donc, soyez un caméléon éponge proactif. C'est mes conseils.